Mesdames et messieurs, chères dauphinoises, chers dauphinois, chers partenaires, chers amis. Je suis impressionné par la qualité de l'auditoire présent ce soir, donc mes premiers remerciements vont s'adresser à vous toutes et tous ici présents. Je remercie évidemment Madame Ramayad d'avoir accepté notre invitation afin de nous éclairer sur le rôle du Maroc dans le cadre des enjeux actuels de la coopération euro-méditerranéenne. Merci également à notre sponsor et partenaire, Monsieur Youssef Benhamor, en tant que directeur général de la société Earth, qui nous réserve une belle surprise ce samedi au sujet de laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et je tiens également à remercier nos autres partenaires qui ont beaucoup contribué à la réussite de cet événement, à savoir les sociétés Saga et Videorama, ainsi que leurs équipes, représentées ce soir par Monsieur Youssef Esferi et Moulay Hamil Berriti. Dauphinois qui plus est pour les trois. Donc, bravo messieurs. La coordination du travail de toutes ces équipes a été opérée par les commissions conférences et communication de Dauphine à l'Uni Maroc. Merci donc à Madame Abla Benabla et son équipe, notamment Madame Nadège Luchetti, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette conférence. Mademoiselle Zineb Ferdaous, Messieurs Qassem Bouanani, Ismail Fassiferi, Youssef Tazi, Youssef Lamour et Youssef Fassiferi. Mais ce qui fait la force avant tout de notre association, vous le savez déjà, c'est bien évidemment vous, les Dauphinoises et les Dauphinois, puisque comme on le dit souvent, notre association ne vit que par et pour ses membres. Dauphine Alumni Maroc regroupe un nombre important de membres actifs et nous faisons partie des associations d'anciens les plus actives au Maroc. Cette fierté, nous l'avons gagnée grâce à vous, donc merci, merci beaucoup les Dauphinoises, merci les Dauphinois. J'ai certainement oublié beaucoup de monde et je m'en excuse par avance, à commencer par tous les sympathisants de notre association qui nous font le plaisir de participer à beaucoup de nos rencontres. Il y a entre autres les présidents, vice-présidents, représentants des alumni d'autres grandes écoles, que je remercie également pour leur présence ce soir. Et je ne saurais évidemment pas terminer ces messages de remerciements sans parler de l'engagement de l'ensemble des membres du bureau de Dauphine Alumni Maroc qui se sera réuni comme en 2014, une dizaine de fois en 2015 pour vous proposer un programme le plus riche possible. À cet effet, permettez-moi de dresser un petit bilan du mandat 2014-2015 du bureau actuel de notre association. En 2014, nous avions pu vous proposer un nouveau site web, une communication digitale élargie aux réseaux sociaux, à différents supports de presse off et online, des partenariats renforcés avec notre université, avec Dauphine Alumni France, avec Dauphine Tunisie, avec le Club France-Maroc, représenté par M. Ramzi Hammou ce soir présent, dont nous faisons dorénavant partie du board, et d'autres partenaires, la liste est longue, je ne pourrais pas tous les citer, malheureusement. Nous avons également opéré plusieurs opérations caritatives destinées à des étudiants disposant de ressources limitées. Nous avons organisé plusieurs pots dauphinois très appréciés des dauphinois et de leurs amis. Plusieurs mercredis dauphinois animés par des personnalités marocaines, pour certaines présentes ce soir, autour de thématiques socio-économiques d'actualité. Une course, une belle soirée de gala célébrant les 30 ans de notre association. Et enfin, l'édition de l'annuaire 2015 qui recense l'ensemble des membres de Dauphine Alumni Maroc. En 2015, on a continué sur la même lancée, plusieurs mercredis dauphinois, plusieurs pots. La commission annuaire a distribué, diffusé notre annuaire auprès des plus grandes entreprises marocaines. La commission culturelle a organisé un week-end à Tanger dans le cadre du festival Tanjaz qui incluait une visite du port Tanger Med. Une exposition de broderie marocaine, musulmane et juive. Et plus récemment, l'exposition Une collection 4 gares à la Société Générale Maroc. La commission ludique a pour sa part donc organisé plusieurs pots, un ftour pendant le mois de Ramadan. Et la commission relations institutionnelles a continué d'entretenir nos bonnes relations avec nos partenaires et a poursuivi le coaching d'une jeune étudiante marocaine à ressources limitées qui a intégré en seconde le lycée Lyautey l'année dernière en partenariat avec le club France-Maroc.